Salut la gang! Très content de vous accueillir aujourd'hui pour le déballage d'un nouveau jouet que je viens tout juste de m'acheter. Donc, c'est un Mossberg 500. Je prends ma petite feuille là, pour rien oublier dans mes trucs. Donc, un Mossberg 500, le combo Field and Deer. C'est un shotgun, pump action. Donc, action à pompe. 20 gauge. Donc, c'est pas un 12, c'est un 20. Contient 5 balles. Ça vient, ce combo-là, avec deux canons. Le premier canon lisse, qui a une mire dessus, mesure 26 pouces. Et le deuxième canon de 24 pouces, qui lui est fileté à l'intérieur. Donc, c'est un slugger, comme on appelle là, en anglais, comme mon marchand Steven m'a appris aujourd'hui. En passant, salut mon Steven, je sais que tu m'écoutes. Si vous avez la chance, là, allez magasiner au magasin Ecotone au Mont-Lebel, c'est des chic types. Donc, c'est un slugger. Puis, ça vient aussi avec un télescope 2.5 par 20. J'ai hâte de voir ça. C'est chambré dans le 3 pouces. Dual extractor, positive steel truck, blablabla, anti-jam elevator. Ça vient avec la crosse étant synthétique, mais ça vient avec deux ajustements pour la joue, donc qui sont interchangeables, c'est quelque chose de le fun. Le kit vient aussi avec trois chokes, cylindre, modifié et full. Donc, on ouvre ça. Cette boîte-là, vous allez vous apercevoir qu'elle a déjà été déballée. C'était le présentateur là, chez le marchand Ecotone, donc ça a déjà été déballé. Je ne ferai pas de saut là-dedans, j'ai pas mal tout vu ce qu'il y avait. Je tiens juste à vous avertir. Commençons avec le télescope. Donc, le télescope, c'est un télescope 2.5 par 20 mm. Il est ajustable. J'ai hâte de voir. Là, il vient avec les montures. Ça ne me semble pas être ajustable pour l'œil. Pour l'instant, de ce que je vois, là, ça me semble assez clair. C'est sûr que là, je suis dans le sous-sol, fait que ça ne donne pas une grosse chance. Mais on va y donner une chance, puis on va l'essayer, puis on va voir ce que ça donne. Mais, il est compris. Donc, à cheval donné, on n'a encore pas la bride dedans. Ça vient aussi avec le petit outil pour le monter, puis un livret d'instructions qui. On s'entend que c'est pas là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui! Ici, on a le deuxième. On a deux ajustements pour la joue, pour la hauteur de la joue, là, tout dépendant si on a un télescope ou pas sur l'arme. Donc, ça, c'est le deuxième ajustement. Ça, c'est le plus petit. J'ai hâte de voir la qualité du plastique. Ben, quand même, c'est pas... on s'entend que c'est pas la qualité primordiale, mais... J'ai comme l'impression que ça va faire le job. Ici, on a les trois chokes, puis je pense que ça vient avec l'outil pour les serrer et les desserrer. Fly. Je sais pas si c'est fait de même ou... Mais mettons que c'est très très sale. Ça va être à vérifier. C'est peut-être un produit là, pour pas que ça rouille qu'ils ont mis dessus. Ah oui, c'est ça. Ça ressemble à ça, donc ça va être à... C'est comme une sorte de graisse qu'il y a par-dessus là, pour les protéger. Avec l'outil là, pour les installer. Donc, c'est là. Le 20, avec le canon pas fileté, mais le canon qui est vrillé là, à l'intérieur.
qui a les filets à l'intérieur pour donner un mouvement à votre slug, d'où le nom du slugger. Avec ce canon-là, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre de slug de plomb, c'est ce qui m'a été dit par mon vendeur. Donc, c'est juste des slugs de brass, de laiton qu'on peut mettre là-dedans. Donc, c'est ce qu'on va essayer. Vous avez ici le cantilever. Là. Si vous enlevez tout le canon, ça part avec. Donc, vous n'avez pas besoin toujours de désinstaller, réinstaller le scope. Ici, je trouve que le rembourrage est au point de vue de l'épaule quand même assez épais, puis ça me semble d'être une bonne qualité. Donc, il nous reste à faire quoi avec ça? Il nous reste à y faire laver comme il faut parce qu'il est sale à baptême, puis d'aller l'essayer. Donc, on fait ça. Bon, ben on est rendu dans le bois. C'est le temps d'essayer mon vin, mon Mossberg 500 dans le calibre 20. Je me suis une coupe de cible là, par là-bas. Fait que on essaye ça pour la première fois. On va voir comment ça fonctionne. J'ai déjà si mal de loader. Fait que c'est parti. Didi, t'es là-bas. Hey, là-bas, mon bon chien. Tons, t'es là-bas. T'es là-bas. Fait que c'est parti. Très très précis là. C'est sûr que mes cibles sont pas très, tellement loin parce que à cause de l'endroit, mais quand même assez précis. Fait que j'en reload, j'en remets d'autres cibles puis je vous montre ça. J'ai changé de munition. On va essayer du target load de fédéral numéro 6. Heavy target load, quelque chose du genre. Donc on essaye ça. Une trentaine de pieds. Oh yeah! Piu piu piu! Donc, 6 pigeons d'argile, on va être à peu près une trentaine de pieds. On a 6 balles. C'est parti! L'action sur ce fusil-là là, est très douce, hein, ça n'a pas de bon sens. Je ne suis pas un habitué vraiment des fusils à pompe, là, mais je peux vous dire qu'ici, là, c'est vraiment doux. On s'en met d'autres cibles. On se recule encore un peu, je vais être à peu près une cinquantaine de pieds des cibles. Encore avec du fédéral Heavy Load numéro 6. On essaye ça. Il t'a mon gros. Viens. Viens. T'es là-bas. J'ai manqué en premier, mais c'est pas de la faute du gun, c'est de ma faute à moi. Le Mossberg 500 dans le calibre 20 gauge. En tout cas, pour moi, je suis très content de mon achat. Ça vient avec un télescope que j'ai pas encore pu essayer. Seul bémol, on va voir s'il y en a d'autres. Je trouve que le canon il est trop long. Je capote pas vraiment sur la longueur du canon. J'ai un autre canon qui est en commande. Celui-là mesure 26 pouces, puis je vais recevoir un canon de 18 pouces et demi. Donc on va couper de ça va quand même être pas pire.
C'est le nouveau. Mon nouvelle arme que je vais faire quelques modifications dessus. J'attends des trucs par la poste. Comme je vous dis, là, il va y avoir un canon. Il va y avoir un système de visée mieux que ça. Fait qu'on attend ça par la poste, puis on va poser ça quand ça va être temps. Mais pour l'instant, très content de mon Mossberg 500 calibre 20. Très belle arme. Ben, belle arme. C'est une belle arme. C'est dans la normalité des choses, mais je trouve que ça tire très bien. Donc, on va voir où ce que ça va nous rendre. Puis, c'est très le fun. Merci beaucoup d'avoir été là, la gang. Puis, revenez-nous pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Très important. C'est ça, ma paye. Puis, ciao.